Voilà, on est à la partie 2. C'est horrible qu'on entende des choses une fois, ça reste dans votre tête. Et vous attendez et la chose. Pourquoi je pense qu'en dessous de l'air je fais des vidéos vachement, hein. Ben, je me prends. Bon, alors on doit avoir tellement de vent que la pluie a tombé presque à l'horizontale. Oh non, mais l'activité électrique, t'es sérieuse de te calmer, hein. Moi que j'espérais vraiment un énorme impact de foudre, puis après prendre une capture, me a vu deux vidéos sur mon téléphone. Yeah. Ouf. Waouh. Puis l'imprimer et me mettre en tableau dans la chambre. Et vous en pensez quoi? J'attends combien de temps avant de changer le logo de ma chaîne? Et de mettre une autre photo de foudre. J'attends l'année prochaine. Je vais faire ça, va attendre juillet de l'année prochaine, en 2024, de changer le logo. Hein. Pourquoi là. Tu ne les mets pas là-dedans, il sera à laver. Moi, je ne les touche pas, c'est ma chaîne, moi, je ne les toucherai pas. En deux, tu ne veux pas mettre la pelle là. Ah, je m'en dis. En plus, en plein dans le cadre, en premier plan. Mets-nous la pelle dedans, Enzo, parce qu'ils ne sont pas bien dans la cage. Allez, viens. Bah, on en fera tonnerre à 1 km. Et l'arbre qui, et les arbres et les poteaux qui sont autour de moi, ça a plus de chance de prendre la pleine de la plage.
cannibales. Allez-y, les cannibales. Ah, ces lapins s'en foutent de manger leurs propres petits. Hein. Je ne sais pas s'il faut que je vous montre demain. C'est qu'il m'arrange un tournesol qui a poussé dans le jardin sans que je mette une seule graine par terre. Et ce n'est pas moi que j'ai semé. Hein. Vous allez être servi en vidéo à partir de demain. Faudrait arriver à récupérer des petites parties. Le moment le plus intéressant, je vais faire des shorts sur YouTube histoire d'avoir plus de vues. Ouais, c'est bien des orages multicellulaires. Impressionnant. Certes, c'est pas l'orage, c'est pas autant actif que l'orage 9 juin, mais il donne quand même d'énormes sympas, de très beaux éclairs. Je déteste les chats. Bonjour. Bonjour. Thank you.
Les gars aveuglant l'éclair. Alors moi j'ai un moi mon cher, moi c'est pas une mauviette, il n'aboie pas. Hein. Verte, j'aime la, j'aime les oranges, mais j'aime pas quand ça fait un dessus de moi que l'impression est étrange. Ça fait comme l'énergie. On va dire un kilomètre ou on va dire à 1 km à 600 mètres, ma vie a fallu passer à côté. Hein. Que là, j'ai commencé à manger mes tomates en salade. J'ai pas envie qu'ils se fassent défoncer par la grêle. Même les tomates du jardin, en termes de saveur, c'est du délire. Hein. C'est du délire, c'est tout doux, ça caresse la bouche. Eux, c'est sucré comme une pêche. On n'a pas des tonnes de pépins comme les tomates du magasin. Hein. Ils sont aussi sucrés que des tomates cerises. Bah, je suis pas vraiment d'accord qu'on fasse la retraite. Et vas-y, un autre nouveau éclair. Bah, les orages sont très importants en soi. Hein. On voit pas pourquoi on doit faire. Quoi, les gens devraient avoir peur des orages. Les portants en été, c'est les seules précipitations qu'on a. Et d'autres orages, ça devrait être, je sais pas, mon, peut-être alors mon 10e ou mon 9e orage. Bon, tu vas pas rester dehors, l'orage. Hein? Mm-hmm. Et par contre, on a une chose horrible dans ma tête. Hein. Quoi? Eh, dans ma tête, j'entends que Zinedine Zidane, j'arrive pas à me l'enlever. Hein. Tu sais, le footballeur. Oui, hein. Je connais. Et alors? Et ça fait comme s'en débarrasser, sachant que c'est pas une musique, c'est un footballeur. Ah, alors moi, j'ai froid.
Et c'est lui qui a fait un doublé. Et lors de la Coupe du Monde 98 sur il est en train d'entraîner le Dieu, ce qui est juste de nous équiper, c'est tout sympa, hein, entre tout la France. Hein. Cet orage nommé hein. La deuxième fois j'ai fallu me... ça a fallu tomber sur ma fécule. Marseillais. Maman. Allez, allez loin de Marseille. On est un zoo, t'es en train de filmer un orage. Ça, c'est le Marseille, là, c'est l'orage. Tiens, je me pose la question, c'est quoi ça va être Marseille. Vous pouvez voir comme ma grande sœur, elle aime tellement les orages. Bon, bien sûr, c'est totalement une risque, car elle a peur aussi. Hein. Voilà, là on devrait avoir mieux. Purée, l'éclair, mais non, mais mon appareil, sérieux. Et il commence vers sa merde là. Oh, je m'en excuse. Bon, une chose que j'ai jamais compris, c'est les personnes en provenance de l'île de France. J'ai une chose que j'ai jamais compris, se plaignent des cigales, ça fait trop de bruit, hein. Et après, ils viennent passer l'été chez nous. Et que ici au sud de la France, les cigales, c'est pas les bruits de voitures insupportables comme à Paris. Hein. Bon, bien sûr, toutes les personnes qui habitent au sud de la France prennent de fond dans le vue. Exploser les parisiens parce qu'ils veulent tuer les cigales. Et c'est très important pour nous, les cigales. Je fais quoi, j'ai eu 25 minutes de vidéo, puis j'enchaîne sur une autre. Alors, maintenant c'est derrière. Comment? Je suis encerclée par les orages, pris en sandwich. Ouais, et maintenant je suis pris en sandwich par les orages, je sais plus où filmer. Hein.
au bruit du tonnerre très prononcé, c'est un épargne de foudre négative. Et qui est tombé, je ne sais pas. Si la foudre tape jamais au même endroit, il a complètement tort, car la foudre elle tape au même endroit. Hein. Et même plusieurs fois d'affilée. Hein. Mais bon, on n'a que les chasseurs d'orages qui peuvent le percevoir grâce à leur appareil qui prennent des centaines d'images. Se décharge là plusieurs fois même en aurant un. Au lycée, là, c'est la femme qui... Je suis à terre. Bon, par contre, la personne qui a rendu obligatoire le recensement, j'en fais lui donner un coup de pied entre l'endroit où on pense que on est né en France, on est censé être français. Hein. Maman, on s'annule, elle rentre au camp. Le 5. J'avais envie de faire un gros câlin, ma grande soeur. Quand tu vas rentrer, là. Ouais, une autre partie.